Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, ce sera une vidéo là où je vais vous montrer mes garages. Donc, pour commencer, je vous présente ma comète. Donc, elle est pas votée, hein, donc je vous le dis direct, c'est moi qui ai mis la couleur parce que c'est le chrome avec le chrome. Ensuite, il y a ma vaca non plus qui n'est pas modée. Donc, je tiens à préciser, je n'ai aucun véhicule modé. Ensuite, c'est ma Dinka de course, Dinka Jester de course. Donc je m'en utilise très très peu. Ensuite il y a ma adder. Donc voilà, donc qui est très sympa aussi. Ensuite il y a ma cheetah. Ma cheetah ou ma cheetah, je sais pas comment on dit. Donc voilà, donc elle est noire mate avec les jantes noires. Ensuite il y a ma T20 qui n'est pas modée non plus. Ma Zentorno qui est pas modée non plus. Donc je trouve la couleur très très belle. Voilà, donc ensuite il y a ma Entity qui n'est pas modée, c'est moi qui ai choisi la couleur. Il y a ma Osiris qui n'est non plus modée, c'était la couleur de mon ancienne crew, c'est pour ça que c'est vert. Ensuite il y a ma Turismo qui n'est pas modée, donc voilà. Donc voilà, donc j'ai arrêté de dire que c'est pas modée parce que c'est chiant. Donc nous allons passer au deuxième garage, donc j'ai trois garages, donc j'espère, je remercie mes 205 abonnés. Donc voilà, donc j'espère que mes vidéos vous plaisent. Donc je suis désolé pour la qualité, mais j'achèterai un Avermedia. Bon, j'ai invité quelqu'un. Attendez. On va inviter Zozo le tigre. Hop, voilà. Quoi? Ah bah il est là. Donc nous passons au deuxième garage. Mon deuxième garage. Attendez. Ouais, attendez. Donc on va mettre chat personne. Ouais. Donc ensuite, il y a mon Benmix. Donc c'est quand j'avais fait le glitch et qui fonctionnait encore, mais là il fonctionne plus. Donc après, il y a ma Roufiane. Donc elle est très très belle, qui n'est pas modée. Non, j'allais dire qui n'est pas modée. Donc après, il y a ma Bati 800 RR. Donc là à l'origine il y a un véhicule, attendez, on va voir si. On va voir. On Ah voilà. Bon c'était mon Akuchu, donc elle est bleue, genre comme ma officine là-bas. Ensuite je vous présente mon quad Hot Rod. Donc j'aime bien ce véhicule en fait, c'est un petit quad. Ensuite il y a mon Insurgent rouge, voilà. Donc là j'ai un VMX de couleurs. Voilà, donc c'était quand il y avait le glitch. Ensuite, il y a. Comment il s'appelle déjà le. On va regarder. Voilà, le Guardian. Donc, c'était mon tout premier véhicule. Et je l'ai depuis longtemps, celui-là. Ensuite, il y a ça. Donc, ça s'appelle le Yuga. Donc, le Yuga, je l'ai piqué dans la rue. À l'origine, il a pas ça au-dessus. À l'origine, je sais pas si vous le reconnaissez comme ça. Donc, il n'y a pas le truc au-dessus. À l'origine, c'est juste un petit fourgon. Ensuite, il y a mon Cold Brawler. Donc celui-là c'était mon deuxième véhicule d'ailleurs. Après il y a ma Bifta. Ma Bifta, les couleurs abeilles je trouve. Donc nous allons passer au troisième garage. Donc voilà, donc après je vous laisserai sur cette vidéo et je referai une ou deux vidéos encore tout à l'heure. Donc pour le troisième garage qui se situe exactement au même endroit mais pas au même appartement. Donc voilà, donc je sais pas trop quoi dire. Hein. Donc le titre ça sera je représente mes nouveaux véhicules. Donc il y a ma Panto. Voilà, donc la Panto. J'utilise assez souvent celle-là, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien les Panto. Ensuite il y a la Futo. La Futo, ou je sais pas comment on dit. Donc celle-là, je la garde pour les drifts. De toute façon, tous les véhicules qu'il y a là, c'est ceux que. Ouais, voilà. Pour les drifts, on va dire. Ensuite, celle-là, je sais pas comment elle s'appelle. Ça s'appelle la Oracle. Donc celle-là, j'ai piqué dans la rue. Je la trouve super belle. Avec cette couleur. Ensuite, celle-là aussi, j'ai piqué dans la rue. Donc à l'origine, c'est la voiture de Michael, si je me trompe pas. Donc c'est la Jackal. Ensuite, il y a celle-là, mais je crois que je vais la revendre. Hein, donc c'est la.
la Standler. Standler aussi, j'ai piqué dans la ruche. En fait, je voulais essayer d'autres véhicules, mais en fait, voilà. Donc, ensuite, il y a la Felder. Donc, la Felder, couleur chrome, assez belle. Donc, après, passons à ce véhicule. Ça s'appelle l'Imponte Phoenix. Donc, il y a des gens, la dernière, enfin, il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit, elle est modée ou pas? Je lui ai dit non, parce que, en fait, ils disent ça fait genre modé, je sais pas quoi. Ensuite, il y a aussi le truc en vert, là, le toit en vert. Je sais pas si vous y voyez super bien. Je sais pas comment vous y montrer. Voilà, comme ça. Donc, vous regardez sur le toit, on voit du vert. Voilà, donc on va refermer la porte. Ensuite, il y a celle-là, j'adore. Je sais pas pourquoi, ça fait genre Ferrari. En plus, cette couleur lui va super bien. Donc, elle est décapotable. Mais je sais pas si on peut la décapoter dans le garage. Attendez, on va voir ça. On va voir ça direct. Ah, si, on peut la décapoter dans le garage. Donc, voilà. C'est pas mal, franchement. Nickel. Voilà. Après, il y a ma Enyus Winter. Donc, celle-là, elle coûte assez cher. Je crois qu'elle coûte dans les 400 000. Nous allons voir ça direct. Donc, on va aller là. Alors, là. Donc, moi, j'ai pris. Voilà. Oh, oui, je me suis carrément gouré. Elle coûte 845 000 dollars. Je croyais qu'elle était dans les 400 000. Ensuite, il y a la Sultan RS. Donc, vous la trouverez pas dans les sites. Donc, vous la trouverez sûrement dans la rue, mais. Elle est très très rare en fait à la trouver. Voilà quoi. Donc voilà. Donc c'est. Voilà le capot qui est de la même couleur. Donc très très belle je trouve. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je présente les gar vos garages. Et si vous voulez bah, que. Je sais pas quoi. Ouais, que je filme vos garages et que je vous présente vos garages tout simplement. Donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao pour d'autres nouvelles vidéos.